Bonjour à tous, comment allez-vous? Ben moi ça va plutôt bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pas découverte mais détente de FIFA 16, la démo. Donc on va se dépêcher, j'ai pas beaucoup de temps, vous l'entendez, je capture avec la PlayStation, du coup c'est un petit peu plus compliqué de prendre mon temps pour vous la présenter. Elle est sortie hier le 8 septembre, et j'ai fait quelques petits matchs hier, donc j'ai pu m'entraîner un tout petit peu. Donc on va commencer avec un match féminin, nous avons deux équipes féminines disponibles, l'Allemagne et les États-Unis. Je tiens à dire que je connais pas du tout les équipes fortes et l'équipe faible féminine, donc je peux venir des conneries. Hop, on y va, on commence direct. Perds pas de temps. Je vous passe tout ça, allez, on passe, c'est pas la peine, voilà, on y va. Allez, c'est parti, le gameplay. Donc voilà, je vais pas vous dire un avis sur la démo, hein, je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Comme ça, il n'y a pas de... Ok, bon, je joue n'importe comment, c'est parti. Comme ça, il n'y a pas de problème, quoi, si vous pensez que je dis ça pour faire plaisir au jeu, ou au contraire. Si je dis des choses pour démonter un jeu, au moins vous faites votre propre avis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, donc il y aura deux matchs dans cette démo. Je vais devoir faire une coupure malheureusement car la PlayStation ne capture que 15 minutes. C'est un petit peu débile, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc je vais devoir faire une coupure. Pour pouvoir... Ok, ça commence. Ah, voilà. Je vais devoir faire une coupure pour pouvoir vous capturer deux matchs. Et pour vous faire un avis beaucoup plus concret. Alors, je joue n'importe comment, je tiens à le dire. Je joue n'importe comment, je fais n'importe quoi. C'est mon premier match de la journée, du coup c'est un petit peu plus compliqué pour moi de bien jouer. Allez, on y va. On y va, là-bas il y a un joueur, il est tout seul. Enfin, il y a une joueuse, elle est tout seule. Ah non, dommage, il y avait hors jeu de toute façon. Allez go. Alors est-ce que le gameplay est différent quand on joue avec des filles? Honnêtement je remarque pas. Peut-être les mouvements, oui les mouvements qui sont un petit peu... Oula, elle m'a fait un petit pont elle. La connasse, elle m'a fait un petit pont. Les mouvements sont peut-être un tout petit peu plus... Ouais c'est... On va dire que c'est différent bien sûr, mais bon je remarque pas une énorme différence entre les hommes et les femmes en termes de gameplay en tout cas. Ce que j'ai remarqué par contre c'est que les gardiens, plutôt les gardiennes, sont vraiment très agiles, et ça m'a un petit peu surpris car les gardiennes femmes sautent un petit peu moins haut que les gardiens hommes. C'est pas du tout histoire de dire que les femmes gardiennes sont nulles, mais les frappes sont beaucoup moins précises et beaucoup moins puissantes que des hommes, faut pas déconner. Mais là elles sautent quand même très très haut, donc je trouve que c'est un petit peu bizarre. C'est un petit détail, vous me direz, mais j'ai pas trop aimé ce détail, donc de la gardienne qui saute très très haut pour prendre la balle. Je trouve ça un petit peu bizarre, voilà. Après, je ne suis pas un professionnel des matchs féminins, il doit y avoir des filles qui tirent avec une frappe très puissante, mais bon, c'est pas non plus une frappe à la Messi ou une frappe à la Ronaldo, quoi. C'est une frappe, voilà, mais c'est pas une grosse frappe. Alors, pour mon excuse, vu que je joue très très mal, pour mon excuse, c'est que je joue en pro. Hein, au cas où, je joue pas en débutant ou en semi-pro. Je joue en pro, du coup, c'est plus compliqué pour moi de marquer des buts. Hop là, putain. C'est plus compliqué pour moi de réussir à marquer des buts et... Voilà, donc je vais me faire dominer, c'est clair. Je vais me faire dominer, mais au moins vous verrez un petit peu les gardiens et l'IA. Comment l'IA se comporte. Alors, détail aussi, c'est que maintenant, quand il y a un coup franc, l'arbitre va poser la bombe... maintenant que tout le monde connaît, la bombe blanche. Allez! Oui! Non, dommage, j'ai failli. La bombe blanche, vous savez que les arbitres posent sur le sol pour pouvoir planifier. Ouf! Pour pouvoir indiquer un coup franc. Et donc maintenant, ça y est, dans le jeu.
Chose de bien maintenant, quand vous marquez, il y a beaucoup plus d'animations disponibles. On peut aller fêter le but avec les remplaçants, on peut aller également fêter le but avec la caméra. Et on peut aussi faire pas mal de choses dont j'ai oublié. Oula, on s'est fait maltraiter en défense. Oh non, 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 non. Oh mon dieu, ils ont tiré à côté. Oh, quelle occasion. Quelle occasion. Alors, les visages sont plutôt bien faits. Je trouve que la pelouse est un petit peu dégueulasse quand même. Putain, je joue n'importe comment, je fais nappe. Hein. Putain, je me fais dominer, mais alors à un tel point. Alors qu'hier, j'ai réussi à bien jouer, j'ai marqué 4 buts d'entrée et là, je me fais dominer. Ouais, la pelouse est un petit peu dégueulasse par contre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, mais la pelouse est vraiment bizarre. On dirait pas que c'est réaliste, quoi. On dirait une pelouse de jeu vidéo, vous voyez. C'est pas une pelouse qui est vraiment très très belle. Après, ça dépend des stades, mais là, j'ai pas trop aimé. Pour ce qui est de l'ambiance des stades, plutôt pas mal, rien à redire par rapport à ça. Allez, allez, non, c'est mort, voilà, je l'ai vu direct. Alors, les frappes sont vraiment molles. Là, vous le voyez pas parce que j'aurais pas frappé, hein. J'ai pas encore frappé une seule fois, je crois. Mais les frappes sont vraiment molles. C'est bizarre d'ailleurs. Oh, allez, bon, non, non, allez, bon, c'est bien fait. Comme ça, il y a retour à la faute. Ah, il y a le téléphone, excusez-moi. Je m'épose et je reviens. Attention, allons-y. J'espère que ça fait pas 15 minutes, mais à mon avis, non, hein, ça m'étonnerait. Donc là, vous avez vu le coup franc avec le. Bah, pour le mur, la truc blanche là, pour le mur. Et pour la tireuse. Voilà, chose maintenant qu'on a également en France. Il faut qu'on attende la Coupe du Monde pour la voir quand même. Hein. C'est un petit peu de n'importe quoi, mais bon. Allez, on y va. On y va, on va essayer quand même de marquer un but ou de tirer. Hein. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Le centre. Corner, allez, corner, 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 corner. Et hop, raté, c'est pas grave, on aura une deuxième chance. Non! Oh putain, le contrôle de balle, magnifique. Oh, dommage. Allez, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, rien à foutre. Voilà, c'est pour nous, allez. Oh putain, c'est quoi ça? Alors, vous avez vu encore. Il y a encore des bugs, malheureusement, il y a encore des bugs hein, que tu comprends pas. Là, c'est pour nous. Allez, allez, allez. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas les prolongations. Dans ce jeu, pour marquer des buts, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment plus dur. J'ai l'impression que maintenant, pour marquer des buts, il faut être vraiment, vraiment chanceux. Et ça, c'est un point négatif. Ah, une frappe, une frappe. Putain, qu'est-ce qu'il y a eu là? Putain. Oh, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a hors-jeu, sans déconner? N'importe quoi, quoi. Il y a hors-jeu, quoi. Donc ouais, maintenant, pour marquer des buts, c'est vraiment plus compliqué, je trouve. Allez. Oh, le but de merde, le but de merde, mais c'est un but quand même. Allez, ouverture du score de l'Allemagne. Et franchement, c'est pas mérité parce que franchement, là, je fais vraiment un match pas terrible. Mais voilà, belle passe quand même. Et la frappe, vous voyez, les buts sont beaucoup plus humains. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais les buts sont beaucoup plus humains. J'ai l'impression que quand on marque un but, on ressent que le joueur a eu du mal, on ressent que le joueur ou que la joueuse a eu beaucoup plus de mal à marquer, ou alors c'est une frappe vraiment incroyable. Oula, elle me fait un numéro, elle. Oh putain, elle m'a fait un numéro, celle-là. Oh, ça passe pas, ça passe pas. Allez, maintenant qu'on a marqué un but, on va essayer de jouer un petit peu plus en offensif, histoire d'être sûr d'en marquer un deuxième. Ou alors de tenir le score, on verra bien. Ok, il y a hors-jeu. J'espère que ça fait pas 15 minutes, hein, en espérant, parce que. Mais bon, ça devrait aller, je pense. Allez. Belle passe. Bien joué. Bien joué. Allez. Ah putain, alors, les Hélène Triangle sont beaucoup plus. Non, arrête. Putain, c'est quoi, mais. Putain, ma défense, elle est nulle à chier. Oh mon dieu. Alors, les défenseurs et les défenseuses, c'est vraiment de la merde. Mais ça, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça! L'espace qu'il y a! Mais c'est dingue quand même! Enfin, il se place mal, mais c'est incroyable! Allez! Yes! 2 à 0. 2 à 0. Et là, attendez, je vais essayer de péter le but avec mes remplaçants, si j'arrive. Attendez. Non? Ok, il n'y a pas de remplaçant, tant pis.
Mais en fait, là, quand vous marquez un but, vous avez les remplaçants qui sont plus bas. Et vous pouvez fêter le but avec eux, mais là, là j'ai pas croisé de remplaçants. J'entends des bruits bizarres, c'est les joueurs qui parlent ou. J'entends des bruits bizarres là quand même. Bon voilà, bah écoutez, 2 à 0, hein, j'ai pas beaucoup tiré, mais j'ai tiré deux fois et ça a fait deux buts. Voilà, c'est génial. Allez. Ah putain, ok, n'importe quoi, vous avez vu, il y a encore des bugs hein, quand même. Oula, elle est lente. Allez, une frappe. Oh, ouais, vous avez vu les frappes. Alors là, j'ai réussi à bien frapper, mais des fois, les frappes sont vraiment molles. Alors là, vous le voyez pas, bien sûr, hein, parce que je capture. Hein, oui, mais comme par hasard. Mais quand je capture pas, bizarrement, les frappes sont vraiment molles et je comprends pas pourquoi. C'est bizarre quand même. Chiant. Voilà, vous avez vu la frappe là, elle était vraiment molle. Et ça, c'est le genre de frappe que je me mange moi à chaque fois. Ah, oh, bordel. Ça peut aller un corner, chier. Mais c'est pas grave, généralement, je pense qu'on a... je pense qu'on a gagné. Donc on fait le corner et après on migre, enfin je quitte la vidéo, en tout cas je coupe la vidéo. Voilà, bon les gens, je coupe la vidéo, ça fait déjà je sais pas combien de minutes, je peux pas me permettre de dépasser les 15 minutes. Donc je coupe la vidéo et rendez-vous dans quelques instants pour vous, pour un deuxième match. Ciao. Mais ça c'est qu'un détail parce que je trouve que les visages c'est mieux fait, mais chaque année c'est à peine mieux fait, vous voyez, donc là c'est pareil. C'est, ce qui change vraiment c'est le gameplay qui a été revu. Ça c'est vrai. Et voilà, après comme défaut je pourrais vous citer que bah, c'est tout le temps la même chose quoi. C'est-à-dire, je vois pas pour l'instant de grosses nouveautés qui pourraient me faire acheter ce jeu quoi. Vous voyez, c'est... Oui le jeu est mieux fait, oui le gameplay est mieux fait, oui les contacts sont mieux faits, oui quand tu marques un but c'est mieux fait. Mais sinon les gros défauts qu'on avait dans le 15, ils ont été modifiés. Bah, je sais pas, comme les tout droits. Bah les tout droits, excusez-moi, mais il est tout droit, il y en a encore quoi. On peut encore marquer des buts en tout droit. Hein. Croyez-moi, je l'ai fait hier, donc je sais de quoi je parle. Voilà, hop. Vous voyez, il faut vraiment jouer beaucoup plus technique. Oh putain, il faut jouer beaucoup plus technique et moi j'aime bien. Voilà, sincèrement, j'aime bien. Après, bon, avec les nombreux tutos qu'il y aura, comment jouer comme une pute, bah. C'est clair que vous apprendrez très vite à comment jouer comme une pute, mais en tout cas dans la démo, t'as l'impression que ouais, c'était quand même mieux fait, franchement. Après, c'est que mon avis. C'est que mon avis. Encore une fois, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer cette démo. Moi, je l'aime bien. Après, de là à prendre le jeu, je sais pas encore. Oui, j'ai encore un doute. J'ai encore un doute car franchement. Ah, bien joué. Allez. Oh le pointu. Le pointu qui aurait pu finir au fond. Donc vous voyez les visages. C'est pas mal hein, Diego Costa. Il est quand même pas mal. C'est pas mal franchement. Allez Williams. Alors je marque beaucoup moins de buts sur corner. J'en ai marqué deux pour l'instant. Donc les corners, peut-être que ça a été modifié. Je sais pas. Mais je marque beaucoup moins de buts. Vous le voyez là. C'est prouvé. Allez, on va faire un petit corner à deux, on va voir ce que ça donne. Ça passe. Oh, dommage, ça aurait pu être un beau but. Dommage, dommage, dommage. On tente, hein, on essaie de faire des techniques et de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, bizarrement, hier, je jouais très mal avec les hommes et je jouais très bien avec les femmes. Et là, c'est le contraire, je joue très mal avec les femmes et... plutôt bien avec les hommes. C'est bizarre ça. Alors qu'hier, je peux vous jurer que c'était le contraire. Je jouais très bien avec les femmes. Et avec les hommes, j'avais vraiment du mal. Alors que là, vous le voyez, je commence à bien gérer avec, avec Chelsea. Ah ! Putain, Luis Suarez, hein, c'est un vrai poison. Par contre, je trouve que, voilà, là, vous le voyez, l'IA, c'est un petit peu... inhumain. Ils font des choses un petit peu bizarres alors que dans le 15 ils avaient trouvé quand même un moyen de rendre l'IA humaine.
Donc l'IA des fois il rate des passes, voilà. Alors que là, t'as l'impression que l'IA, c'est une IA quoi. Tu vois, c'est pas des humains. Ils ratent pas des passes. Ils font des passes de fou. Ils font des lobes de malade. Tu vois, t'as l'impression que l'IA, c'est un petit peu, ouf. C'est un petit peu bizarre comment ils ont foutu l'IA dans ce jeu. Allez, putain. Et les frappes, vous voyez les frappes, c'est beaucoup plus compliqué de les mettre. Hein. Ah putain. Les frappes, c'est beaucoup plus compliqué de les rentrer. Ah dommage, bien joué là le gardien. Les frappes, c'est beaucoup plus compliqué de les mettre et ça c'est indéniable. Je marque très peu en première mi-temps, je marque beaucoup en deuxième mi-temps car j'ai vraiment du mal à tirer dans ce jeu. Après c'est qu'une démo, hein. Dans le jeu final il y aura peut-être... enfin c'est qu'une démo. Bon, généralement les démos c'est un tout petit peu le... Enfin, c'est le produit final, hein. On sait tous qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, donc bon. Mais quand même, c'est qu'une démo, faut pas non plus l'oublier. Ils peuvent faire des correctifs. Même si une démo, c'est une démo, quoi. Ça veut dire une démonstration. C'est... Voilà, c'est pas une alpha, c'est pas une bêta, c'est une démo. Donc voilà, putain, j'arrive pas à dégager la balle, ça c'est ouf, quoi. Quand l'IA veut marquer. Je peux vous jurer que, et ça c'est tout le temps pareil, hein, dans tous les FIFA, quand l'IA veut marquer, franchement, ça devient injouable, quoi. Pour vous, ça devient injouable. Ah, il joue très haut. Hazard, bien joué. Hop, petite passe là pour Oscar. Ah voilà, vous voyez les frappes c'est vraiment du gros n'importe quoi. Ça c'est vraiment le plus gros défaut que j'ai pu trouver à ce jeu pour l'instant, c'est que les frappes sont vraiment sont molles, quoi. C'est des frappes molles. Tu fais des frappes mais hyper molles, quoi. Tu comprends pas comment faire, c'est fou, hein. Alors autant les contacts c'est mieux, autant les graphismes c'est mieux, mais les frappes vraiment, quoi. Ah dommage. Non mais les frappes, je comprends pas, quoi. Ils sont molles, mais ils sont molles à un point, c'est fou, quoi. Lionel Messi. Donc alors bonne chance, hein, pour réussir à rattraper Messi. Allez, mais on perd la balle, mais c'est fou, quoi. Mais c'est incroyable, comme je joue mal. C'est hallucinant. Oh là là là, comme je joue mal, c'est fou. C'est incroyable. Je vous jure qu'hier j'ai mieux joué que ça. Hein. Hier j'ai mieux joué que ça, quoi. Oh là 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 là. Hier j'ai mieux joué que ça, quoi. C'est incroyable, quand je capture je joue mal, quoi. Quand je capture pas, allez vas-y, voilà, marque-moi un but. Ah, c'est gonflant les gens, je peux vous jurer que c'est gonflant. Quand tu joues hors ligne tu joues mieux et quand tu joues en ligne tu joues mal, quoi. C'est gonflant, franchement c'est gonflant ça. Oh là là, mais c'est fou. C'est quoi ça? Bon allez, on arrête de rager, mais franchement c'est gonflant. Sérieux. Je joue mais mal, mais c'est un point, hein. C'est incroyable, quoi. Je joue mal, mais incroyable, quoi. Je crois que je suis le mec qui joue le plus, qui joue vraiment depuis un bail à FIFA, et pourtant je joue mal, quoi. C'est incroyable. Oh là 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 là, mais la moindre passe, elle n'arrive pas à destination, quoi. C'est incroyable, hein. Là, vous voyez un petit peu la passe qu'ils ont fait. Non, mais attendez, c'est pas humain, ça. C'est pas humain, ça. C'est pas humain, ça. Je suis navré, c'est pas humain. Il y a vraiment des fois où l'IA ils font des passes. C'est pas humain, quoi. Jordi Alba. Boum. And now he's looking for some support. Oh, in goes the cross. Allez, les gars, allez. Bien joué, enfin. Pour une fois, je fais un beau truc. Allez, Costa. Allez, Costa. Alors, qu'est-ce que tu fous à droite? J'en sais rien. Mais allez Costa. Mais non, mais pas là. Alors voilà, encore un bug de joystick. Encore un bug de joystick, ça n'a toujours pas été réglé. J'ai mis le joystick à droite, il fait la passe à gauche. Voilà, va comprendre ça aussi. Ça n'a toujours pas été réglé, ça. Allez. Allez Oscar. Mais oh, quelle frappe molle. Vous avez vu les frappes? Non mais les frappes, c'est vraiment du n'importe quoi, quoi. Vous avez vu ça?
Attendez, c'est pas moi qui rêve, hein. Les frappes, c'est du vrai n'importe quoi. Non, 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 attendez, sérieux, quoi. C'est moi qui rêve ou les frappes sont débiles? That's a good challenge between the two of them there. Bien joué, allez, allez. On y va. Bien joué. Ah, dommage, 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 dommage. Allez, pour nous. Quoi? Mais laisse jouer la touche. Bon, du coup, il y aura la prolongation. On y va, allez, on va essayer de marquer un but. Hein. Allez, but en or, comme ça, on perd pas de temps. Alors, les tout droit, ça y est plus. Rassurez-vous, ça y est encore. Hein. Enfin, bon, rassurez-vous. Voilà, vous avez vu, les tout droits, ça y est encore. Faut pas déconner, hein, les mecs, les youtubeurs. Ouais, mais les tout droits, ça y est plus. Non, non, il y a encore quelques tout droits, rassurez-vous. Hein, il y aura encore de la rage dans les multis. Mais vu que les joueurs sont beaucoup plus lents, ça devient un petit peu plus simple de les contrer, c'est vrai. Mais bon. Allez, pour nous. Alors, chose de bien, vous le voyez, c'est que maintenant il n'y a plus les innombrables cinématiques avec le joueur qui prend la balle, qui repose la balle, qui pose la balle, qui repose la balle, il y a faute, sifflet, carton, il n'y a plus. Maintenant, on peut passer quand le joueur prend la balle et pose la balle, on peut passer, c'est quand même beaucoup mieux que devoir attendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que devoir attendre 1000 ans. Pour réussir à jouer tout simplement. Putain, mais il n'y a pas d'appel, ça c'est fou, hein. Il n'y a aucun appel. On y va. Oh, mais les frappes! Mais les frappes dans ce jeu, mais c'est un truc de malade quoi. Dans le 15, je peux vous jurer que dans le 15, le ballon serait rentré là. C'est incroyable quoi, les frappes sont molles. Mais les frappes sont molles, mais c'est. Ça, c'est vraiment l'un des plus gros défauts que j'ai à dire. Les frappes sont complètement mais débiles dans ce jeu, c'est incroyable. Putain! C'est incroyable ça! Il faut prier pour que le joueur il fasse une bonne frappe quoi. Oh putain. L'IA, ils font vraiment des mouvements en pro. T'as vraiment l'impression que c'est des machines quoi. C'est pas des humains. Voilà, ça c'est un défaut aussi que je redis. Hein. C'est pas des humains les mecs. Allez, bien joué Hazard, bien joué. Oh là là, la frappe molle. Putain, mais la frappe molle. C'est incroyable quoi. Les gars, on y va ou on attend le diable? Allez, on y va. Ah, bien joué Piqué. Alors, on a dit aussi dans d'innombrables vidéos que maintenant, quand le joueur tombe, il peut se relever vite. C'est du n'importe quoi, je tiens à vous le dire. Quand le joueur fait un tacle, c'est mort. Il fait un tacle, il rate le tacle, c'est mort. Donc regardez, je fais un tacle. Voilà, j'ai pas le temps. Allez, on va, voilà, je fais un tacle, hop, je rate. Voilà, j'ai pas le temps. Donc c'est un petit peu du n'importe quoi, quoi, ce qu'on voulait dire. 0-0, voilà, encore une fois, ça doit être la millième fois que je fais un 0-0. Tellement c'est compliqué de marquer un but avec les frappes molles de ce jeu. Donc allez, penalty, comme d'hab. Je commence à avoir l'habitude, hein. Je commence à avoir l'habitude dans cette démo de faire des pénalties, c'est incroyable. Le nombre de fois qu'il y a eu 0-0, c'est incroyable. Ok, il rate, super. Oh putain, chanceux. Culé. Allez. Tiens, enculé. Je commence à avoir l'habitude d'avoir des pénalties dans ce jeu. Ah,
Et là, regardez, je peux soit aller à droite, soit célébrer avec le goal. C'est ce que je vais faire. Quoi? Ah, voilà. Bon, c'est pas très bien fait. D'habitude, il célèbre beaucoup mieux que ça. Mais bon. Donc c'est cool, on peut maintenant... Je crois qu'on peut même aller sur le banc. Quand on gagne les pénalties, on peut aller sur le banc pour célébrer avec le banc. C'est cool. Bon voilà, écoutez, c'était donc une vidéo détente et mon avis hein, sur FIFA 16. Donc voilà, mon avis. Oula, c'est quoi ça? Putain, il y a un bordel sur la pelouse. Il y a un bordel. Il y a eu quoi, la bagarre générale ou quoi? Pourquoi il y a un bordel comme ça sur la pelouse? Alors, chose bien aussi, c'est que maintenant, vous voyez, quand il y a le match qui est fini, on peut revoir les actions et c'est beaucoup mieux fait. Genre là. Voilà, bon, ben classique, hein, il n'y a pas grand chose à en dire, mais bon. Genre, je sais pas, moi, un tir raté avec Messi. Voilà, ou bah, le but, il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas de but. Ou alors le penalty décisif, voilà. Donc oui, c'est vraiment, je sais pas, c'est mieux fait. J'aime mieux, c'est mieux fait, c'est beaucoup plus fluide et voilà. Voilà. Bon les gens, allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.